Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la COVID-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu. Population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la COVID tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop. COVID-19. Le mouvement national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire organise du 10 au 17 octobre 2021 les Journées nationales des laïcs. Un séminaire sur le thème « La situation des veuves et des orphelins en Côte d'Ivoire » s'est donc ouvert le vendredi 15 octobre 2021 au temple Cité de Grâce de Nouveau-Koumassi. Cette rencontre a vu la participation du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après le mot introductif du très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district d'Abidjan Sud, et l'intervention de l'officiant du jour, le révérend pasteur Wosouman Gabriel, le bishop Benjamin Boni, dans son mot d'ouverture, a remercié et encouragé les participants à ce séminaire. Il a souhaité que les conclusions de ses réflexions profitent aux veuves et aux orphelins. Notre Église méthodiste unie a fait du thème de réflexion sur la condition sociale des veuves, le problème d'héritage, donc des veuves des orphelins, le sujet de ces réflexions pendant 2 années. À travers toutes les facettes, n'est-ce pas, que présente l'étude de la condition sociale des veuves et des orphelins, nous puissions mettre à la disposition de l'Église un instrument qui puisse l'aider à mieux organiser son aide. Nul doute que ce qui va sortir de toutes ces réflexions pourra aider l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Les travaux ont porté sur les aspects psychologiques, spirituels, juridiques et socio-économiques de la situation des veuves et des orphelins en Côte d'Ivoire. Professeur Akadago Akribi, présidente du Conseil Église et Société à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, revient sur l'importance de ce séminaire. Chaque district est venu avec une réponse de ce qui se fait dans ces églises locales, de sorte à faire remonter et avoir un programme qui soit un programme pratique et un programme qui soit orienté pour les veuves, les veufs et les orphelins. Mais il y a toute la situation qui est une situation socio-économique parfois difficile, des conditions psychologiques difficiles. Nous avons des problèmes juridiques, nous avons des problèmes dans tous les domaines et qui concernent l'homme de façon holistique. Donc c'était important de pouvoir se recentrer là-dessus et d'avoir un programme qui soit applicable dans les différents districts. Au terme des échanges, le président national des laïcs, Louis Abois, situe les enjeux de ces journées nationales des laïcs et le choix du thème de ses travaux. L'Église, dans sa position d'aiguilleur de conscience, voudrait aider, n'est-ce pas, l'État à réorienter, n'est-ce pas, la manière d'aborder la question des veuves et des orphelins pour que les veuves et les orphelins soient les véritables bénéficiaires, n'est-ce pas, de leur héritage. Après ce séminaire sur la situation des veuves et des orphelins en Côte d'Ivoire et les conclusions prévues le samedi 16 octobre 2021, un culte de clôture présidé par le bishop Benjamin Boni mettra fin à ces journées nationales des laïcs à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cité de grâce d'Anoumabo, le dimanche 17 octobre 2021. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à travers l'ONG, le réservoir de Siloé, veut redonner de l'espoir aux veuves et orphelins vivant en Côte d'Ivoire. Et cela par la mise en application du thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins ». Pour ce faire, une formation des veuves sur l'entrepreneuriat, la comptabilité simplifiée a été initiée par les responsables de l'ONG méthodiste, le réservoir de Siloé,
le vendredi 15 octobre 2021 à la maison protestante de l'étudiant à Cocody. Les enjeux sont énormes, mais beaucoup plus d'ordre économique. On voit que les veuves sont des personnes un peu délaissées parce que souvent il y a des difficultés dans les familles. Et donc pendant 4 mois, elles vont être suivies pour pouvoir essayer de les faire revivre. Dans 3 semaines, disons, le financement peut être disponible pour pouvoir commencer effectivement les activités. Elles auront tous les 44 millions directement. Donc chacune aura autour de 215 000 francs CFA. À l'issue de cette formation, ces veuves seront suivies et évaluées sur l'impact de ce projet par rapport à leurs conditions de vie. Quelques veuves n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction à ce séminaire de formation qui leur donne de l'espoir. Je suis vraiment en joie, je me fais... Même quand j'étais dans la salle, même là, j'étais contente, j'ai la chair de poule. Parce que vu ce que nos devanciers ont dit, vraiment ça me va. Donc, où je suis là, je ne suis même plus vive. Et je refuse même d'être. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, là, je vais me battre avec Jésus-Christ. Je remercie l'ONG qui nous invite aujourd'hui. Je remercie tous les pasteurs qui nous ont pris aujourd'hui. Ils nous ont édifiés sur un verset d'Ésaïe. C'est aussi rentré. Je sais que je vais réussir. Pour cette formation des veuves, je pense que c'est l'application de la parole de Dieu qui dit qu'il faut t'occuper des veuves et des orphelins. Et on souhaite que cela continue et que les autres aussi puissent en bénéficier. Je suis déjà dans les jus et donc je souhaiterais agrandir, continuer ces jus-là avec le peu de moyens que j'ai et ce qui va être donné. L'aide venant de l'ONG, dont je veux rendre grâce à Dieu, je suis vraiment contente et je trouve que c'est une bonne chose. J'encourage mes soeurs. Vraiment, c'est un message qui nous rassure, qui nous fait savoir que le Seigneur est avec nous. Au total, 200 veuves sont concernées par cette formation qui se déroule simultanément à Abidjan et Diokoué. C'est dans l'allégresse que le mardi 12 octobre 2021, le district Abidjan Nord de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire et Mussi, accompagné de responsables de structures de l'église, ont accueilli le tout nouveau président du conseil exécutif de la communauté d'église en mission, SEVA, le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du dit district. Après la prière de remerciement à Dieu et les échanges d'informations, le président des laïcs du district Abidjan Nord, Laurent Gbanta, a souhaité la bienvenue au nouveau président de la SEVA et dit la satisfaction de son district pour son élection au cours de la 11e Assemblée Générale de cette organisation tenue à Montpellier en France du 4 au 8 octobre 2021. Monsieur le Président, nous voudrions ici et maintenant vous adresser nos vives félicitations pour votre élection qui démontre la vitalité de l'Église méthodiste du Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire davantage dans vos nouvelles fonctions en vous accordant la sagesse de Salomon pour la conduite de la communauté. Prenant la parole, le très révérend Michel Lobo a exprimé son émotion et sa joie de voir des responsables de structures de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et le district Abidjan Nord mobilisés pour cet accueil. Il a par ailleurs indiqué sa reconnaissance à Dieu avant de rappeler les chantiers qui l'attendent pour ce mandat 2021-2025. La SEVA a déjà un cahier des charges. Le président est le facilitateur de la vie de la communauté. Quand il y a des projets et tout ça, que les commissions finissent de trancher, le président va dire, bon, on va accepter le projet de telle église. Mais il tient compte aussi des réalités du terrain pour ne pas qu'on favorise un groupe donné et puis un autre groupe est délaissé. Je serai rigoureux pour permettre à chaque église qui présente ses projets de s'attendre à quelque chose. Les responsables de l'église présents à cette cérémonie ont exprimé leur satisfaction et leur fierté. C'est un honneur pour notre église, l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, de voir un des nôtres, notre pasteur, élevé au rang de président de la SEVA. C'est vraiment donc l'émission qui est honorée et pour cela je rends gloire à Dieu.
avec les autres collègues et tous les responsables du district, nous sommes venus l'accueillir et lui montrer que nous sommes avec lui et l'aider à atteindre les objectifs que la structure l'a assigné. La communauté d'église en mission SEVA, qui a pour slogan partager, agir, témoigner, œuvre entre autres pour le développement des programmes et projets missionnaires des églises membres, pour l'animation théologique, la formation et pour la promotion de la justice et les droits de la personne humaine. Elle est répartie dans 24 pays du monde et regroupe 35 églises protestantes, dont l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire.